Fait que là, Virge, t'es en train de nous faire un cocktail, les amis. C'est un cocktail de Virge, parce que c'est Virge qui le fait. Santé! Santé! Bienvenue aux recettes pas fraîches! Ok, fait que juste vous mentionner, en fait, c'est elle qui fait la cuisine. Moi, je suis nulle à chier. Moi, j'ai une mission aujourd'hui, c'est la suivante. Fait que. Je compte bien boire aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un de très organisé dans la vie. Laitue? Ouais, ben, non. Tu m'as-tu dit laitue ou tu m'as dit laitue le légume? parfait. Donc, mis à part tomber dans un coma éthylique, on prévoit cuisiner des crab cakes. Oui. Avec une mayonnaise épicée pour accompagner le tout et une petite rémoulade de céleri rave. Tu sais, de la rémoulade, là, quelque chose, un mot qu'on dit souvent, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Exact. Fait qu'on va commencer en prenant un shot. De quoi? T'es on ferme les yeux. Ah oui, t'es là. Ben oui. Ferme les yeux. Ah, t'es qui là? C'est quoi le chum? Fucking tôt, puis nous on est genre shot. Choc. Oh, ça sent le regret. Santé! Santé! Aux recettes pas fraîches. Aux recettes pas fraîches. On n'était pas fraîches. Au watch out à la fin de la vidéo, on nous serons pas plus fraîches. Hein. C'est pas notre but. Non, c'est pas notre but. Plus fraîches. Non. Santé! Qu'est-ce que c'est bon la tequila? Moi, il y a monde qui disent. Moi, le monde qui disent qu'il n'y a pas de tequila, là. Complètement d'accord avec ça. Moi, j'adore la tequila. Un petit couteau dans la gorge. Ça fait mal à la personne, hein? J'allais dire un petit coup dans la gorge, c'est ma technique de te défendre. Mais tu peux reprendre les ingrédients. J'ai besoin d'une moutarde de Dijon, à peu près... une bonne grosse cuillère de moutarde de Dijon. Oh, c'est 5 minutes. Hey, ça pue le calor, hein. Ah, mais non. Mais non, c'est tellement bon. Hey, moi sentir ça, là. Imagine tu sentais de la lune. Idéalement, c'est dégueulasse. Je comprends pas, personne veut manger à noon. Girl, c'est parce que t'as l'entrée jambe qui sent la Dijon. Putain, oui. Ça, c'est une tasse. On a besoin de la moitié. Elle, moi, je calcule ça de même. Non, je t'as fait ça de même, moi, je comprends rien. Ain't nobody got time for that. Ça, c'est quoi? C'est du faux lait? Du non, c'est la crème de soya. Belle soya. D'ailleurs, c'est mon coup de cœur en cuisine. Je m'attache les cheveux, finalement. Fuck être belle. Fuck être belle. Fait que là, il faut à peu près presque tout ça. À date, ça a l'air dégueu. Ouais, c'est ça. Un quart de tasse pour les intéressés. Qui voudrait la recette? On va la mettre dans la description, la recette. Ben oui, on va la mettre. Fait que ça, il faut un quart de tasse de miel. Fait qu'on va y aller demain. Il faut le jus d'un citron. Ok. Ça, c'est une demi. Une demi. Avez-vous remarqué que déjà, elle ne me donne plus de responsabilité? T'as raison. J'étais vraiment, je suis trop contrôlante. C'est une germaine, cette femme. Genre, une bonne cuillère d'herbe salée. Ça aussi, c'est un de mes musts en cuisine. Ça sent bon. Personne achèterait ça par exemple dans la vie, je pense. Ben oui, non. Franchement. Une bonne cuillère. Fait que ça, j'ai le petit pot, mais j'ai aussi le pot. Que... Oui, exact. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit exact, j'ai vu. Oh, Chris, ok, c'est bon. Donc, une petite pincée de sel. Ah, ben oui, ton sel de luxe, toi, est chaud. Ouais. Un peu plus. Ah, oh, non, c'est bon, sel, c'est bon. Et poivre. Moi, j'aime ça le sel. Moi aussi, j'aime ça le sel. Il y a des gens qui aiment pas ça, mais moi, je dis que c'est un rehausseur de saveur. Mais toi, tu le fouettes. Quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup, mais c'est pas on dirait un petit bobby. Un petit bobby de chat. On serait-tu dû pour un autre chat? Ben, moi, j'attends la fin de cette étape qu'elle s'en va. Je vais essayer qu'on arrive à quelque chose. Mais oui, après. C'est quoi? Ça sent encore la moutarde de chat. Normal parce qu'il y en a, mais. Moi, je trouve que ça sent bon la moutarde de chat. J'adore la moutarde de chat. Moi j'aime la moutarde de Dijon, mais j'aime pas la moutarde de Dijon dans les sandwichs. Je trouve que ça fait vraiment tout le sandwich. Mais c'est parce que souvent, quand tu mets une couche de maillot aussi, pour faire essayer d'adoucir le goût. La moutarde de Dijon, c'est violent ailleurs. Imagine en une. Idéalement, ça se ramasse pas là. Encore, t'as vraiment une fixation sur la Dijon et la noune, ce que je trouve vraiment spécial. Ah, je sais pas pourquoi. J'ai une mauvaise expérience. Oh! Mais on est fait partout dans votre recette, on comprend pas pourquoi. Il nous reste à rajouter le céleri rave qui est coupé en julienne. Comme ça. Hey, t'as fait ça quand? Tantôt, quand que je faisais rien. Quand je faisais la crotte. Oui! Oui, c'est ça! Bon! Oui. On a une belle étape de fête, hein. Fait qu'on étudie au chat? Oui! On étudie, oui. On confirme la règle. On étudie, on confirme qu'on est dû. On prend encore la tequila parce qu'on est wild. On a acheté 73 000 bouteilles, mais on prend juste la tequila parce qu'on est de même. Santé! Moi, je suis pas fraîche. Toi, t'es-tu fraîche? Je suis pas fraîche. T'es-tu lavé à matin? Non. Je me suis pas lavé à matin. On est pas fraîche! Bon, es-tu prête pour la pièce de consistance? Je
Je sais pas. Tu sais, c'est quoi un cupcake? Oui, j'ai mangé ça l'autre jour à m'amener. Bon, l'autre jour à m'amener. C'est-tu bon? Pas tant, non. Bon, ça y est. Ça va super bien. Elle a accepté, ma semble. Un cupcake, oui! T'aimes oui! Ça? Non! Non! Sinon, tu veux que je craque? Ouais, exact. En mets un coco. Oh mon dieu, tu l'aimes tuer, mon petit folle! Oh my god. Il y avait une vite! Mais sérieusement, tu dans... Tu l'aimes tuer, ça? Tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Non, non, non! Hey, oui! Hey, c'est ça! C'est ma technique! Dans la gorge, ça pisse de ça. Hey, t'imagines, moi j'ai ça dans la gorge, ça pisse. Bon, on est prêts. Le jus de l'émission. Oui. Hey boy. Etta! Ça y est. Là, on va finir la maillot qu'on a pas sur Dijon. Oh, comment je me trouve? Encore? Oui. Bon, tu sais comme ce que ça fait mal, ça? T'as peur. Je te laisse deviner. Oh, dans l'une. Oui, dans l'une! C'est pas comme la chose. Les recettes! Pas fraîches! Pas fraîches! Sur ce, petit peu sur les rachats, sinon je te faisais pas confiance. Ouais, fait que tu vas me couper un peu de viande. Ah ouais. Eh, si beau! Ouais! Ouais. J'ai vrai. Ok, mais ça sent attention. Ça sent la coriandre. T'aimes-tu la coriandre? Il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. Moi, j'aime pas plus que ça, ça. Ouais, ben, ma part est un petit peu décousue, mais j'aime pas vraiment ça, finalement. Pourquoi? Est-ce que tu trouves que ça goûte le savon? Non, je trouve que c'est justement un peu comme la moutarde de fucking Dijon. Je trouve que quand t'en mets. Mais arrête de mettre la bouffe dans la noune. Non, j'en mets pas dans ma noune. Là. Mais non, mais non. Quel con. Qui mettrait de la coriandre dans sa noune? La même personne mettrait de la Dijon. À partir de moi. Je pense que je vais mettre deux oignons verts. Aimes-tu les oignons verts? Moi, j'aime les oignons verts. Oh oui, c'est bon, parfait. Mais tes oignons verts, à toi, par exemple, ils ont tout qu'un look, hein? Non, mais c'est parce que c'est juste. Bon, on les a pas achetés aujourd'hui. Certains diront que ça paraît. On a dit que c'était la recette. Pas pas frais! Bon appétit, bonsoir! Exactement. Ça sert à quoi? Tiens, ça sert! Hey, elle était plein d'affaires! Bon, on va se faire une chance! Juste ça? Au cinquième, je te dis comment je fais mon cheers. Okay. Comment moi je fais. Ah, oh, t'as déjà ton cerveau! Dans quoi qu'on s'en va? Non, c'est là plus! Bon, c'est là! Ah, c'est la chaleur morte! C'est pas grave, ça va être encore meilleur! Ça fait 27 fois que je me fais l'orteil sur ton reste du blond. Bon! Je t'en ai. Oh, il faut de la mayonnaise! Ah, oh, c'est pas de la mayonnaise, ça. Je sais que c'est de la wafou, mais c'est meilleur. Puis on met c'est de la wafou! Le problème technique est le suivant. La grosse chute de crabe, en fait, qu'on a acheté était dans le congélateur. Puis là, elle est comme pas dégelée. Fait que là, on prend tous les moyens du bord pour la dégeler. Les moyens du bord, c'est Virge qui tape dessus. C'est sûr. Pendant ce temps-là, je vais vous divertir. C'est moi qui pense sur la main. Parce que je pense que c'est passé de fesse pour Fergie. Fuck you! Ah, ça a l'air bon pour elle. Ça va être délicieux, j'ai juste l'air. Non, mais je vous jure, visuellement, ça a l'air bon. J'ai pas de savoir le sexe en moi. Ouais, c'est l'inconnu de la vidéo, mais on avait besoin d'une partner pour un shot parce l'inconnu que... du web! C'est moi! Santé! Santé! Moi le cul! Santé, moi le cul aussi. Hé, hey, on fait un vœu! Mais pourquoi? Oh! Retourne-toi! Moi, mon vœu, c'est qu'on arrête de prendre les chats de tequila. Moi, mon vœu, c'est que j'ai pas une petite grosse BS, les cheveux tout mouillés, avec ma grosse chemise de dragon. Je te jure, man, que je pogne auprès des gars, je te jure qu'il est trop chaud, qu'il est trop chaude! J'ai fait des bonnes pets. Ok, je suis rendu au ketchup. Ok. Oh, 5 minutes de 5 minutes. Les recettes. Pas fraîches! On est moins en moins fraîches pour vrai. Les gens qui se demandaient, on est plus ou moins fraîches. Hey, santé! Okay. Pour ceux qui se demandaient, pour ceux qui suivent, là, pour dire la recette. C'est sûr, mort finalement, on s'en va se dire. J'ai battu un œuf. Je l'ai mis dans la panko nature parce qu'on a assez assaisonné notre chair de homard. Je l'ai. Bon, j'ai tout enrobé ça. Le Cassandra pue dans ce monde. On attend que l'huile chauffe pour aller le faire frire, le faire cuire. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Je sais plus. Oh! Pas oublier qu'on est là et que vous êtes là aussi. Oh, oui, mais c'est ça, on est toutes là. Oui, fait que on a fini la recette, c'est prêt. C'est prêt à goûter en fait. T'as l'air de goûter.
sent bon. Okay, non, c'est vraiment bon pour vrai. Veux-tu que je sois honnête? Toute la recette, j'en avais rien à chier. Je voulais juste boire. Mais dans le fond, c'est bon! C'est vraiment bon! Hey! J'avais même pas faim. J'avais soif. T'as-tu faim un peu? J'ai même plus soif. J'ai faim. Ah! Je vous conseille de finalement regarder les ingrédients de la recette que je n'ai pas suivi du tout et de la reproduire. Parce que c'est étonnamment quand même simple pour vrai. C'est pas si compliqué. Là. Ben, c'est pas compliqué. Ça mérite un. Shooter. Ça mérite un shooter encore mieux. Pas beau! Merci! Merci la chum de. Ah, je sais pas pourquoi je te remercie. D'avoir cuisiné cette merveilleuse chose. Oui, c'est ça, je voulais dire. Ça fut bien plaisant. Ça fut bien plaisant. Oh, pelle-terre, il va falloir couper une autre lime. Commentez dans les commentaires quelque chose de pertinent comme vous étiez saoules, les filles, hein? Vous avez eu de la misère à faire une conclusion? Oui. Non, non, non. Quelle recette on fait la prochaine fois? Ben oui, quelle